Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire un voyage à Naples. Bon, on va aller chez Marco Polo à Noisy-le-Grand. C'est presque ça. Mais en tout cas, on va essayer une spécialité de Naples. Et cette spécialité, c'est le panuzzo. Vous allez voir, c'est un sandwich napolitain. Et il va nous parler un peu de cette spécialité, car il l'a fait extrêmement bien. Buongiorno. Salut Erasmo, comment vas-tu? Tutto bene, ça va bien. Alors tu voulais nous présenter quoi alors comme spécialité? Aujourd'hui je veux présenter les panuzzo. Les panuzzo c'est la spécialité napolitaine, précisément des Gragnano. Et ça pour vous faire comprendre pourquoi que Naples c'est pas que pizza margherita ou pizza free. Il y a autre spécialité. Les gens ils font la queue pour manger cette panuzzo. C'était la spécialité qu'on trouve dans tous les endroits des les vieilles pizzeries de Naples. La cuisine napolitaine, c'est quelque chose de grand. Qui, si vous voyez, et entre ça, on a les panuzzo. Les panuzzo, c'est l'inspiration napolitaine. En fait, mais c'est quoi ça? Donc pâte à pizza, dis-moi ce qu'il y a comme c'est ingrédient. C'est de la pâte à pizza avec, comme je vous disais, c'est l'inspiration napolitaine. Nous, on l'a fait aujourd'hui avec du jambon de Parme. On l'a fait avec tomate cerise, mozzarella de bouffelon, stracciata, roquette. Tu nous fais rêver. Hein. Je te jure, Erasmo, tu nous fais grave rêver là. Et ça, c'est la cuisine. Nous, on va voir tout de suite il est comment l'intérieur. Oh, vous entendez le bruit? Oh là là, la pâte elle est croustillante. Voilà. Oh. Alors, je fais voir. Voilà. Oh ya 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 ya. Vous voyez ces voilà mozzarella de bouffle. On a mis des champignons, aubergines, roquette, tomate cerise, stracciata et jambon de Parme. 24 mois. Hein. Oh là là, regardez. Oh, c'est magnifique. C'est très très bon. C'est croustillant, c'est frais. Le jambon de pain avec la tomate cerise et les aubergines, c'est vraiment trop bon. Et franchement, ce panuzzo, c'est une tuerie. Conseiller de spécialité Marco Polo, à la fin, mettez un petit peu de poivre. Et un petit bout de, un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Voilà. J'ai envie de vous dire à table. Ça, c'est la nappe. Grazie a te. Alla prossima. Donc ça y est, on vient de découvrir le panuzzo, ce fameux sandwich napolitain, raconté par Erasmo avec son petit accent italien. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à faire partager. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.